Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Bonjour. Oui. Vous avez parlé avec nous sur ça qui vit et sénateur Moujacha, mais pas sénateur seulement. Ou on peut se généraliser pour nous. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous voulez poser aussi effectivement tout ça qui passe dans une partie des décotes assurées. Il suffit d'entrer de Moujacha Charles. Et c'est un processus qui est fait pour tout le monde. Tout le monde ne sont pas américains. Qui ont été canadiens, qui ont créé n'importe nationalité. Donc, il y a refusé de rentrer. On y a ça à faire pour ce visa à fermer. Nous, quand on a visa, la première étape, il va aller pour tout le monde. Deuxièmement, nous mettons une interdiction pour rentrer. Minimum, nous avons pour rentrer, c'est 5 ans. Ça, c'est minimum là. Donc, c'est qui montre que sans faire du bagage. Même des cas 10 ans, ça coûte un petit peu tout le temps, ou pas, j'aime qu'à faire encore. Laissez nous barrer, raisonner, c'est poser une question. La première loi de quoi traverser les frontières, nous avons le droit pour nous poser n'importe question. N'importe question. Et nous barrer nos papiers côté, on dit, je ne suis pas d'accord avec la question, mais sur mon problème, je vais être là. Nous barrer nos papiers, contacter. Pour nous réciter pour la situation normale. Donc,
son bagage qui écrit. Ok. Et donc, vous pouvez parler. Oui, donc tout le monde, c'est ça qui tout le monde net celui, pas grand et de spécial là-dedans. Ok, oui, mais allez. Information ça aussi, c'est information qu'on gagne à partir de l'expérience où on travaille dans le système ça, système américain, immigration et la douane. Oui, et ça comme pas qu'à détails, comme si tout petit détail qui n'a là parce que vous jurez pour faire un job ou faire un conseil de bagage, même pas avoir un gros sacrifice, ça que tout le monde doit répondre, ça que tout le monde connaît. Et même pour les Américains, ça l'a eu fait, ça l'a eu dit, c'est un état obligé, c'est un vrai. Je m'en tiens bien, il a consigné à lui expliquer ça qui passe, parce qu'il y a pas de qui ça qui passe exactement. Et puis, il n'est pas consigné à prendre des décisions, ça arrive aussi à même jour, quand ça tombe à bas. Donc, c'est un sujet qui fait partie du processus, là. C'est pas un spécial, c'est pas un de particulier. Tout à l'heure, tu dis que tous les baguettes types de passeport que vous avez en main, traitement, vous réservez à où? Oui, bien sûr. Si vous avez souvent voyagé en tant qu'officiel, vous n'avez pas capable de me poser une question. Vous n'avez pas posé une question, j'ai posé une question. Mais après, nous faisons tout le même ça avec notre monde qui est venu avec un passeport régulier. Mais même mon ça, en nous disant que passeport diplomatique, quand même, passeport diplomatique a gagné des coups de mais gagné pas. Et pour lui, des visas officiels. Même mon ça qui présente les visas officiels, on peut voter une différence si vous présentez un visa touriste. Parce que maintenant, c'est officiel, c'est lui qui vont être responsable, mais pas ça passé, c'est le responsable. Mais souvent, quand on est en tant que touriste, nous même qui vont rentrer là, nous sommes responsables, mais pas de soi-même, c'est sous continuum. Donc, souvent, oui, c'est un traité en tant que touriste. Même quand on se dit là pour tout le monde, il y a un gros sénat qui risque. Il va en sanction encore, il y a un traité dans le ancien secrétaire d'État ici, qui est passé que dans le clair voyage, il est allé en vacances, juste en tant que touriste. Nous passons le même processus là, nous posons une question normalement. Donc, pas de rien, même si tu es américain, tu mets une bonne fonction, du moins tu as une fonction encore, ou bien du moins tu vas voyager en tant que touriste, pour t'aller mettre, pour t'aller Bahamas, pour t'aller récolter, pour t'aller avec ton personnel, pour bien retourner du côté à l'aide des frontières, nous posons toutes les questions, on va imposer touristes, parce que vraiment de tout temps, c'est là parce que c'est payé. Monsieur Kembela et sénateur Moïse Jean-Charles, politiquement, je ne suis pas même ni avec Moïse Jean-Charles.
nous son garçon par exemple à peine examen. Dès que ça recommence de faire ingération, arriver trop loin. Ce que monsieur comme qui sont leaders à parler. C'est normal pour aller en Afrique. C'est normal pour les Haïtiens chercher relation sud-sud. Parce que relation nord-sud, Dieu va dire non rien. Depuis combien de temps? C'est la honte, c'est l'humiliation. Donc nous voulons américain très senti doux, très sous monde, pour permettre les fonds leaders. Et Haïti, on va arriver ça. Bravo Guy Philippe, compliment. Combien Guy Philippe sur la caillou sont comme ça. Et on va loin que Bagali va passer sous silence. Pourquoi en pile n'est pas réagi? Pourquoi vous avez réagi? C'est là-bas madame Yoé. C'est là-bas petit Yoé. Et Kaimounio et la caillou. Et les Haïti, il y a détripé, hein? Haïti a démoli, il a fini démoli net, il a tourné la caillou correctement. Il va lâcher Jeep machine gun là, il a roulé pour 5 cuits. Et Haïti, c'est un pays fait comme. Ou après, en pile monde pas réagi. Tout comme en pile monde, l'association média pas réagi sous tant sous menace la mort sous tête Patrick Moussignac là. Parce qu'automatiquement, il réagit. Il connaît le pape bon pour eux. Il tout fait silence. Et dans certaines circonstances, qui ne dit mot guerrier? Consent? Déportation, expulsion, mais bon monde qui dit nos thèmes qui tapis approprié à là, c'est inadmissible. Son thème est utilisé dans le domaine immigration. L'arrivée devant agent immigration, les camps empêchent d'entrer sous territoire. Donc là, ça, on n'a pas déporté parce que les patates vivent dans le pays accueil là. Donc dans le cas, ça, c'est vol qui est plus proche là, il a pu utiliser pour retourner mon la caille. On a les coups à côté frère, intervention journaliste Voix de l'Amérique, qui peut parler avec service la droite, la garde frontière États-Unis, sous dossier sénateur Maurice Jean-Charles. Marc Joël. Regardez, voilà, rapidement. Allez. Fait un viron en Afrique et débarqué dans l'aéroport international Miami. Mais première déclaration, depuis ça, il a fait dans l'aéroport international de Port-au-Prince, mardi 25 janvier. Son belle tournée. Mais c'est tout le film de catastrophe. Ça s'est passé. Voilà ma petite qui est moins de l'agent d'une femme. Il y a la veille. Madame Daniel Mandem. Non, malheureusement, ça me dit avec Madolo. Je ne parle pas avec Madolo. Mais on dit non, ça n'a pas important. Bon, ça n'est pas la foule. L'aime dit comment mal visite Afrique. Quand on dit une femme, on dit qui ça me t'a dit avec chaque monde. On dit qu'on a vraiment la moitié d'Afrique. On va parler. Il avait regardé, il avait été en salle, et bien il parle l'autre monde qui l'a avec lui. Il a cherché un tour avec lui. Après qu'il était venu aller, il était venu aller, moi aussi même. Et puis à soir, il a mis le même dans la prison. C'est 28, il avait vraiment frappé, mais on dit il y a beaucoup de mal avec lui. Je ne veux pas la passer. Donc ils ont interprété ça, Bastia. Pourquoi ils ont interprété? Pourquoi ils ont interprété, non? Mais c'est qu'on a dit pour moi, oui, ça a été dirigeant qui fait pas ça. Mais pourquoi on a réagi? Moi, je me frappe au fond. Souvent, on réagit comme ça. Je vois tout. Parce que son décision nous prend, pour Haïti, ils sont tiens à nous. Et je ne peux pas frapper dans le monde. Et en réaction, ce service-là, Sandra Le Maire, tu es chassé à réaction autorité américaine pour t'expliquer les raisons qui sont basées sur les décisions pour prendre déporter et annuler les visas. Et pour les députés de Sandra, bonsoir. Bonsoir, Jean-Roux. Bonsoir, Jean-Paul. Donc, et nous parler avec service la douane, avec garde frontière États-Unis, Customs and Border Patrol, livré en anglais. Et Nessa ou porte-parole, dis-nous, là nous m'a dit pour qui raison que vous déportez l'ancien sénateur Moïse. Vous dit pour protéger vie privée citoyen, service la douane avec protection frontière pas capable de détails précis. Sous ça passé, l'œil au monde arrivé aux États-Unis, ni sous procès. Si
problèmes techniques empêchaient de finir côté intervention le journaliste Voix de l'Amérique qui était parlé à l'immigration. Il y a un règlement précis dans la loi immigration États-Unis. On va essayer à nouveau pour nous aussi, notamment fait une côté intervention journaliste Voix de l'Amérique qui a même parlé avec garde frontière États-Unis et puis service la douane sous incident qui arrive. Il y a 60 raisons qui la cause n'ont pas qu'à accepter pour le monde entrer dans le pays. Non. Loi ça, il y a plusieurs catégories principales. Famille, gain santé, condamnation pour crime, raison sécurité, charge publique, loi travail, entrée illégale à violation immigration, documentation à quelques autres raisons encore. Tout le monde qui voulait entrer aux États-Unis, ça fait face à une inspection complète de l'Élysée. Mais réponse que yo ba nous, Jean-Rou, donc yo pas dit nous exactement qui laisse dans le point ça, dans la catégorie ça, qui est applicable pour Moïse Jean-Charles, mais il fait connaître que n'importe qui monde qui veut entrer aux États-Unis est capable de faire avec une inspection complète de l'idée dans le pays. Ça veut dire qu'il y a un règlement que tout voyageur, quand on est sur le territoire américain, pour te suivre, sous pas suivi, et Border Patrol, il est capable de pas quitter autorisé de rentrer sur le territoire américain. Je sais pas. Exactement, exactement. Et on connaît que le règlement est très sévère, on a appelé les spectateurs avec auditeurs New York, ça est très sévère aux États-Unis à cause de la pandémie COVID-19, là, avec et une crise migratoire. Encore une fois, on peut suivre la fin. Donc, le gouvernement américain a essayé de gérer. Donc, MAP suggère. Voilà, en résumé, donc c'était ça, intervention journaliste Voix de l'Amérique qui était contacté, service la douane à la garde frontière États-Unis pour être capable d'essayer d'identifier raison qui est à faire et Europe a quitté sénateur ou bien c'est sénateur Moïse Jean-Charles atterri sous territoire américain, annulé visa li questionnel, auditionnel pendant un bon bout de temps. Voilà en gros ça qui dit dans intervention journaliste La Voix d'Amérique qui était parlé avec... En principe, ça passe, c'est Moïse Jean-Charles, là. Excusez-moi si je fais une conclusion un peu hâtive, puisque je peux prendre une réaction des États-Unis autour. Son choc national, regardez. Son choc pour tout haïtien. Son choc même pour ça, dans le pays de l'autre bord, c'est tellement meilleur que papa. Son humiliation nationale. On a grivé deuxième non-élection. Il y a président pays à n'importe quel moment. On est d'accord avec vous. Et là, nous connaissons que chaque élection, ça va tâcher des magouilles avec irrégularité. Là, on aide notre propre Moïse Jean-Charles. Pour ça le symboliser. Pour ça le représenter. L'Aïtien dit dans le blanc guerrier, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. La caille Moïse Jean-Charles, il est populaire. Il est très difficile pour un monde populaire dans le département de sortir. Oui. Parce que toujours des détracteurs et cap de dénigrer mon nom, etc. Cherchons ces petits bagages qui étaient passés dans le... La caille Moïse Jean-Charles est populaire. Ça veut dire son nègre qui a accédé au pouvoir à n'importe quel moment. Mais là, on va le faire ça. Voilà la pile haïtien faux, mon reste, mon fatra, mon. Capral prend pour intérêt pas, mon Moïse Jean-Charles te représente un handicap, un barricade pour vous, et dans un intérêt politique, yo. Capral prend yo dans le sens pas, yo. C'est ça, moi, la guerre chacun contre chacun, ça veut dire la destruction de l'autre, là. Ça veut dire que vous pouvez vous servir avec, comme c'est Moïse Jean-Charles, il apprend pour massacrer davantage. Mais son bagage de soulever, et comment, ça veut dire que son triplex, c'est à doit animer tout haïtien, là. C'est frustration, révolte avec indignation. Et malheureusement, on nous passe ainsi ça. Ah oui, ça va pas le doux. Tweet ou bien de réaction, déclaration, même casse politique côté M. Soti, pas de réaction du tout. Moun qui souffrit maladie ou les blancomanie ou bien blancophobie, yo te doit prendre ça pour dire, ça passe là, c'est pour jouer. Moun qui esclave qui a fait travail blanc ou en Haïti, m'a pris un bagage guerrier, journellement nous avons parlé de diam complet. C'est pour nous finir avec des lois
tout nèg k'ap servi pays ça faut m'a demande petit pays dans pays en permanence. Ça veut dire que c'est qu'on y a me comprendre. Là on voit un nèg vinn directeur la police là, il pas réglé rien que sérieux puis il tourne blanc accueil là des bois. Ou même ouais que le pas dans intérêt population et pourtant il bien fait travail lui. Il joue une plaque honneur et mérite parce qu'il tourne la caille lui. Il tourne à jeune madame lui, il tourne à jeune petite lui. C'est que le bagage tenait terrain de changement à Haïti lui-même. Mm-hmm. Ami, esclave blanc ça, il faut que le choc national ça, il faut que l'arrivée sous nous. Et moi-même, tout guerrier, je déplaise au sénateur Maurice Jean-Charles. Mais je prends tout ce qui va être une forme de provocation dans ça tout. Parce que, bon principe qui dit que le plus faible doit être toujours le plus malin. Est-ce que dans la pensée, Maurice Jean-Charles, avant de rentrer en Floride, il n'y a pas pensé que ça a une réaction pareille. Pour qui ça ne peut pas utiliser le même couloir que le Téaléa pour utiliser le même couloir pour le détourner. Comment ça? Oui, il n'y a pas d'aller, il n'y a pas de passer aux États-Unis, non? Il va dans des trajectoires, les deux. Il prend un avion et qui mettait les qui côté ça et Kata, de Kata à Nigeria, etc. Mais dans la première trajectoire, là-bas, les États-Unis là-dedans, non? États-Unis pas au courant, c'est le dehors, non? États-Unis, ouais, image que le dehors a beauté, a pompé le bagaille. Et puis là, il a tourné qu'on y a. Il passait par les États-Unis. Si vous mettez radar, si vous mettez radar, c'est pas fait. Allez, la bague États-Unis là-dedans du tout, non? Retendez son empoué. Allez, la bague pas les États-Unis, non? Oui, il n'y a pas de problème. Non, 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 pas de problème à ça. Moi, dit ou sous toute réserve, est-ce que lui-même n'est pas compensé que tu as une réaction? Est-ce que pas une forme de provocation en quelque sorte? Et puis je ferme cette parenthèse. Alors, service la douane avec garde frontalière et États-Unis dit yo pas bas information personnelle pour dire qui raison que fait au prendre décision ça. Il est obligé de capable protéger vie privée citoyen Maurice Jean-Charles. Et Luxon. Dans ce sens, il dit yo pas bas détail. OK, yo pas bas information ça public, mais on pense yo doué Maurice Jean-Charles information ça qui est lui-même victime de décision ça yo prend. Mais il y a monde qui dit il n'est pas capable de déporter Maurice Jean-Charles parce que les patates vivent sous territoire. Qui t'aime service la douane américain utilisé pour expliquer ça qui arrivait à Maurice Jean-Charles là? Alors, quelques médias qui parlaient de dossier ça, et, par exemple, il y a Associated Press, il y a CBS, il y a plusieurs des médias comme ABC qui parlaient, moi utilisé c'est déporter. Mais avant déporter, on dit c'est arrêter. Donc, deux mots clés pour nous garder, pour nous garder là, c'est arrestation et déportation. Mm-hmm. Maintenant, c'est deux mots clés ça yo, et qui utilisent dans les médias. Maintenant, ça qui vient pour avec aspect juridique et aspect technique, nous pas rentrer là-dedans, nous pas gagner trop de détails sur lui. Mais en même temps, simple, le nalga de notre caractère là, prend un monde privé de liberté, le mettez le dans une chambre glacée, et tant qu'on mogue, et fouon appareil dans la bouche, par contre qui sont foué dans la bouche, et il a accusé les États-Unis déjà dans un poison des micro pour monde, et dans même affaire ancien président et Venezuela, comment et Hugo Chavez, guerrier, ancien président et Venezuela. C'est Hugo, ça que la Kounia, c'est Maduro. Et Maduro, oui. Et il avait dit que l'homme Hugo Chavez, la grande pile révélation et qui fait autour de lui. Donc, fouan pareil dans la bouche disant, et puis il caché, il n'y a pas qu'à explication. Nous plus senti son expulsion. Si nous parlons de déportation, son forme d'expulsion, parce que Axel Teguin pour le rentrer dans le pays, il a éliminé, il a expulsé. Son forme de, là, nous, est-ce que nous n'avons pas qu'à utiliser expulsion? Alors, et pour le moment, pas gagné média ici aux États-Unis qui utilise expulsion et utilise arrestation suivi de déportation. Maintenant, est-ce que et expulsion, l'avocat qui est spécialisé dans le domaine, ça, il pourra l'utiliser, il n'est que d'attendre. Donc là, on a pris le gagné pour nous parler avec quelques avocats et qui spécialisent dans l'immigration. États-Unis, particulièrement en Floride. Mais c'est qui Philippe après pour nous, Philippe réagit. Gardez l'aspect juridique et technique sacrivé à mais tout. Qui ça, ancien sénateur, en qualité de politicien et leader politique, okay. Et ancien sénateur, ancien candidat à la présidence, qui ça a fait. D'ailleurs, ancien sénateur a dit qu'il pourrait attaquer les États-Unis, par contre, comment il pourrait attaquer, dans le sens que, et pour montrer que ça qui passait à son bagage qui est inacceptable, il n'est que d'attendre, mais sur le
plan technique et juridique, nous allons pour nous parler avec quelques avocats ici pour nous connaître pour qui ça ça fait comme ça, laisse ça fait qui conséquence ça a gagné, qui ça ancien sénateur a fait. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.